Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va faire la vidéo de ceci, la JBL Charge 4. Mais avant de te parler un peu plus de cette JBL Charge 4, je t'invite à t'abonner, c'est juste en dessous, c'est sur le petit bouton rouge, tu cliques dessus. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors cette JBL Charge 4, on la retrouve actuellement sur Amazon par exemple à 147€. Donc il y aura bien sûr un lien dans la description. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait le test de la JBL Flip Essential. Et là, la Charge 4, ben, en gros, c'est le modèle au-dessus, un peu plus gros, d'où le prix un peu plus élevé. Allez, on va pas perdre de temps, on fait un petit unboxing, voir un peu comment elle vous est livrée. Et puis, on se retrouve après pour la tester. Bon, ben, on se retrouve pour faire l'unboxing de cette JBL Charge 4. Celle-ci vous est livrée dans cette boîte avec ici le logo de la marque. On voit tout de suite que c'est une enceinte Bluetooth. On a le modèle. Il nous annonce direct l'autonomie qui est de 20 heures et puis bien sûr une belle photo du produit. À l'arrière, on a également une photo du produit où on la voit branchée à un portable avec une batterie ici. En effet, la JBL Charge 4 peut faire powerbank. Et on a ici les principales caractéristiques du produit. Alors lorsqu'on ouvre, on va découvrir ici le modèle, toujours Charge 4, une petite plaque en mousse, et en dessous on va avoir notre enceinte, la Charge 4 bien évidemment. Ici sur le côté, on va retrouver une petite pochette dans laquelle on va retrouver les principaux manuels d'utilisation avec un petit quick start guide, et on va retrouver également le câble USB type C qui permet la recharge de l'enceinte. Alors notre JBL Charge 4, la voici. Donc on est sur un modèle bien plus gros que la JBL Flip Essential que je vous avais fait en vue. Ici en effet, au niveau des dimensions, on va être sur 22 cm de long, 9,5 cm de diamètre et 9,3 cm de profondeur. On est sur un poids de 960 grammes, donc ça pèse un peu, presque un kilo. La capacité de la batterie à l'intérieur, c'est une batterie de 7500 mAh. Donc on a vraiment pas mal d'autonomie, il nous annonce 20 heures. Et ça va permettre également, comme vous l'avez vu sur la boîte, de recharger votre téléphone ou autre chose. Alors ici sur le dessus, on va retrouver le bouton power, le bouton d'appairage Bluetooth. Donc il vous suffira d'appuyer dessus pour la trouver sur votre smartphone. Ici le volume plus, le volume moins, le bouton lecture. Ici, le petit bouton, c'est le JBL Connect Plus, ce qui permet en fait de connecter plusieurs enceintes JBL ensemble pour avoir par exemple deux JBL Charge 4 et un effet stéréo. Ici, on va avoir le logo JBL. Le petit socle ici qui est en caoutchouc anti-dérapant, donc ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez la poser, ça bougera pas. Ici, on a 5 petites LED qui vont nous afficher l'autonomie de la batterie. À l'arrière, en dessous de ce petit clapet en caoutchouc Charge 4, on va retrouver le port USB-C pour la recharge, bien sûr, le port jack pour brancher votre appareil dessus et un port USB pour la recharge en mode power bank. Hop, on referme bien ici, ce qui permet l'étanchéité puisque cette enceinte est étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Alors sur les côtés, on va retrouver deux radiateurs passifs. Hop, ici avec ici l'inscription JBL. C'est vraiment bien fini, on a vraiment quelque chose de très joli, très propre, comme d'habitude avec JBL. Et pour info, cette enceinte résiste au choc, donc vous pouvez la laisser tomber. Alors c'est sûr, pas de 50 étages, hein, on est d'accord, mais
Honnêtement, si elle tombe de votre bureau à par terre, elle n'aura rien. Concernant la puissance de cette enceinte, on est sur un seul haut-parleur qui va faire 30 watts. Le temps de charge de cette batterie de 7500 mAh, c'est d'environ 4 heures. Donc voilà, pensez à la recharger par exemple la veille avant de vous en servir. Ça vous évitera le matin de vous rendre compte qu'il n'y a plus assez de batterie. Parce que 4 heures, ça fait un peu de temps quand même. Donc voilà pour cet unboxing. On va se retrouver tout de suite pour tester cette enceinte et voir si elle tient ses promesses. Allez, on se retrouve pour tester la JBL Charge 4. Donc on va l'allumer. Hein. Voilà, elle est allumée. Pour la tester, je vais vous passer bien sûr une musique libre de droit. Alors évidemment, avec vos casques, ça ne donnera pas exactement le son que j'entends moi, mais vous aurez une petite idée de sa puissance et de la qualité audio quand même. Allez, c'est parti, elle est appairée à mon téléphone. Je vais vous balancer une musique libre de droit. Alors là, je suis à peu près à 50% et puis c'est parti, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, c'est plutôt clair. On va monter le volume, voir si ça sature. Alors voilà pour le test audio de cette enceinte. J'espère que ça vous aura pas trop éclaté les oreilles parce que franchement, elle a de la patate. Alors que vous dire sur cette JBL Charge 4? Eh bien moi, personnellement, je trouve qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Comme à l'habitude chez JBL. Déjà, le design, elle est vraiment sympa. Elle a un design assez sobre, mais efficace, je trouve. En plus, c'est une enceinte qui est solide. Elle est certifiée IPX7. Vous pouvez la faire tomber. Alors, c'est sûr, pas de 50 étages, mais vous pouvez la faire tomber. Elle résistera au choc. Elle est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant environ 30 minutes. Donc bon, évitez de la plonger dans la piscine trop longtemps. Et franchement, le son est plutôt pas mal. On a quand même une priorité aux voix plutôt qu'au reste. Mais je trouve que pour le prix, elle s'en sort relativement bien. Par contre, petit défaut, cette enceinte aura pas mal de latence. Si vous êtes en Bluetooth, il y aura à peu près 300-330 millisecondes de latence. Et du coup, si vous souhaitez regarder des vidéos, moi je vous invite à utiliser la connexion filaire avec la petite prise jack. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que par rapport à l'ancienne version, on passe de deux haut-parleurs à un seul. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Moi j'aurais préféré qu'il y en ait deux. Ça aurait donné un peu de stéréo plutôt que du mono. Mais bon, c'est un choix. En attendant, ça fonctionne relativement bien quand même. Le petit plus pour moi aussi, je trouve, sur cette enceinte, c'est qu'elle fait powerbank. Voilà, si on est en train d'écouter un peu de son et qu'on se remarque que son téléphone a plus trop de batterie, voilà, on le branche dessus, ça fait un petit peu de recharge. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc concrètement, est-ce que je peux te conseiller cette enceinte? Oui, évidemment. Si tu cherches une enceinte puissante, pas trop grosse ni trop petite, vas-y, fonce, elle est vraiment pas mal. Donc voilà pour cette vidéo sur la JBL Charge 4. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette enceinte te plaît, si tu l'achèterais, ou si tu en as déjà une. Et puis, dis-moi ton avis dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus. Et bon shoot !